À Franceville, les festivités marquant la fête de l'Aïd el-Kébir n'ont pas connu leur engouement habituel. Ce jour important pour la communauté musulmane, marqué cette année par la crise sanitaire, n'a connu aucun rassemblement dans les mosquées pour la prière. Pour certains musulmans rencontrés dans leur ménage, l'organisation de cette fête n'a pas été facile. La fête de l'Aïd el-Kébir pour préparer la santé pas du tout facile, vu la pandémie qui vit, les moutons aussi. La rareté fait que les prix ont augmenté, tout le monde n'a pas le moyen de se procurer. Ce que nous avons payé, c'est dans les environs de 100-110. Bon, ça doit être 80-90. Entouré de ses frères autour de ce repas, Hassan sollicite ici la réouverture des mosquées. On est ensemble avec la famille, on remercie Dieu, on a bien fêté. Alhamdoulilah, c'est bien. On a bien fêté. Vraiment, la mosquée nous manque beaucoup. Vraiment, c'est beaucoup. Ça nous manque beaucoup. Et on demande toujours pour qu'on nous accepte de faire de la prière à la mosquée. À la mosquée Faisal de Franceville, l'absence des plus de 1500 fidèles était perceptible, à l'exception des quelques responsables des lieux. Énormément difficile. On avait l'habitude de partager les repas avec les amis, même avec les inconnus. Ça permettait aussi de connaître les inconnus, de connaître les nouveaux fidèles, de connaître les nouveaux qui ont adhéré à la religion musulmane. Mais aujourd'hui, ça devient quasi impossible. Au regard des conditions sanitaires qui ont fortement limité le nombre des personnes dans les endroits publics, les musulmans de cette localité ont tout de même célébré cette fête des moutons en famille.